si moi elle venait à détourner toutes les prononcées des différents politiciens. Ils sont désormais de plein droit membres du parti Moël Bénin après leur démission du parti UP Le Renouveau pour cause de trahison. Ousmane Traoré et son réseau ont rallié le parti de Jacques Ayadji. La cérémonie d'adhésion s'est tenue ce samedi à Parakou, en présence de l'ensemble des membres du ROT venus de divers horizons. Honorables invités, Excellences, Monsieur le Président, le ROT, par ma foi, est favorable à un partenariat qui facilite le recouvrement et le rayonnement constructif pour un mieux-être pour tous dans la dynamique d'ensemble. Aujourd'hui, je vous dis, quel que soit ce qui se passera, pour ceux qui n'avaient pas fait ces calculs, désormais, ils peuvent savoir que Moël Bénin compte un minimal de 15 conseillers municipaux et communaux et 167 élus locaux. Ce que certains partis ne peuvent pas, malgré qu'ils sont regroupés, ce qu'ils ne pouvaient pas se trouver eux-mêmes sans l'aide du réseau central. De notre pays, car Moël Bénin compte porter ce boubou un jour, ça va. La plupart de nos politiciens n'ont jamais apporté un réel projet de développement au peuple béninois. Ils ne font que se baser sur des erreurs de différents chefs de l'État ou se baser sur l'aura de ces chefs d'État ou s'appeler politiciens. Ici, nous venons de démontrer que nous sommes capables de faire en sorte que le parti Moël Bénin puisse s'en sortir. Et l'avenir nous dira le reste. Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, a officiellement accueilli son camarade Ousmane Traoré ainsi que tous les membres du ROT dans le parti qui œuvre pour la vérité en faveur de la patrie. Je voudrais simplement vous demander de faire en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui soit historique et que désormais, lorsque les gens vont venir vous voir, il faut leur demander ce qu'ils proposent pour régler notre problème de faim, pour régler notre problème de paix. Venez dire, nous sommes contre telle personne, n'est pas un projet de société. Depuis 1990, nous avons toujours voté contre. Nous n'avons jamais voté pour. Je crois qu'en 2026, le moment est venu pour que nous votons pour la première fois pour. Et pour voter pour, c'est voter Moël. Ce fut un moment de célébration animé par des artistes de renom tels que Pipi Omaro, Baizé, Donny Tok, Siba Franco Junior et Alpha Mille.